Chino qui est en tournée, il devait être là. Il est parti en tournée avec Tonnet. Ils ont trois villes, ils ont visité Fresco, Ikanywa, il vient la semaine prochaine avec nous. Il est en tournée, il devait être là pour la sortie de mon album. Et finalement, l'album sort ce samedi. À cause du problème des speakers, la prière prophétique, ils sont en train de protéger ça à cause de la piraterie. Quand j'ai annoncé ça à la télé, il y a eu beaucoup de coups de fil à Afrique de prestige. Donc les gens prennent des dispositions, mais pas que les gens piratent le CD. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Je serai à la télé le mardi. Je serai à la télé le mardi avec le CD. J'annonce officiellement la venue de la du CD. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore un pasteur. Il viendra ici, le pasteur Dioman, le révérend Dioman. Voilà, qui sera ici par la grâce de Dieu, qui a touché le ministère à la Riviera. Cette fois-ci, les week-ends, nous serons constamment ici dans les grands programmes, parce qu'il faut que nous fassions des programmes. Amen. Mais ce programme-là, c'est un grand programme. Moi-même, là, ceux qui ne veulent pas me voir vivre, là, je vais les tuer. Amen. Alléluia. On te donne le visa. Alléluia. C'est la grâce que nous avons au nom de Jésus. Alléluia. Ils doivent tomber. Dis amen. Amen. Ils tombent au nom de Jésus. Amen. Les gens n'ont pas besoin de se repentir. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? À vous, ça va? Comment tu t'appelles? On suit ici? Non, pas les autres. On suit ici. Comment tu t'appelles? N'oubliez pas qu'ici, c'est un centre de délivrance. Nous délivrons les sorciers. Nous ne les humilions pas. C'est notre méthode de travail. Ce sont les aveux publics. Après les aveux, nous les délivrons. Il n'y a pas de maltraitants d'enfants ici. Nous les délivrons. C'est celui-là même qui donne assez de jus aux enfants. J'aime bien les enfants. Mais quand un enfant est dur, il faut le débarrasser de l'âme. Il laisse la sorcellerie. Il n'y a pas de maltraitants d'enfants. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé ici. Qui t'a fait venir? Hein? Parce que tu étais, tu m'es surpassé. Tu es sorcière. J'ai 23 des sorciers. À quel âge? 16 ans. Ouais. Maman pisse. Tu es belle, hein? Maman, pas le moment où. Rate de monter qui a mis sucre dans papa. Vous n'avez pas de vos yeux pris. Allez, aïe, au bon moment. Maman, ça va? Tu as mis sucre dans papa. Ah, heureusement. Maman, tu peux donner ton portable? Ah, c'est vite, vite. Qu'est-ce qu'elle va te montrer là? J'ai dormi. Si tu es sorcière, ta vie est gâchée. Elle va te montrer qui a mis peur dans vos cas. Amen. Amen. Pour ça qu'il faut bien regarder avant de faire. Si ça va pas bien, c'est pas forcé, dégage. T'es tombé sur un sorcier. Même les piments dans tes yeux. Alléluia. Il faut savoir ce qui marche. Moi, ma prière chaque jour. J'ai dit à Dieu. D'accord. Il y a des gens qui doivent quitter dans ma vie. Voilà, on a prouvé. Je vais dégager. Que ma vie s'améliore. Ceux qui doivent entrer. Vous allez vous séparer des fautes. Vous se comportez en faux, vous allez vous séparer. Parce qu'il y a des gens qui doivent quitter vos fautes. Vous avez vu ça, Seigneur. Vous vous attachez à ça. Vous n'avez pas lui. C'est fautif. Non, il fait pitié. Quoi? Dégage! Pitié.
Tu es né avec, qu'on t'a donné. On suit ici. Tu as parlé, hein? Hein? On t'a donné. Qui t'a donné? Hein? C'est qui? Hein? Hein? Monsieur? Les sorciers? Hein? Myriam, viens ici, viens. Ça va? Comment t'appelles? Hein? Tu es sorcier? Qui t'a donné? Mon papa. Comment t'a donné ça? Hein? Danry. Et toi, comment t'a donné? Hein? Bon, faut expliquer. Tu viens d'où? Je viens de Zaroko. C'est des Zaroko aussi? Ah oui? Bon, je n'entends pas, donc on va arrêter. Donne-moi le. On va poursuivre ça après. Donne-moi. On poursuit le programme. Il est où, Pierre? Le problème, ça fait. Veuillez vous asseoir. À cause de vous, nous allons appeler tous les membres du ministère, vous savez. Ce matin, je vais prier. Pour tous ceux qui font partie du ministère. Oh, mon secrétaire. Sinon, je dépose le micro, je prends ma voiture, je suis parti. Est-ce qu'on peut se taire? J'appelle les membres du ministère. Nous allons prier pour tous ceux qui font partie du ministère. Cette nuit. Plutôt ce matin. Je vous informe que il y en a pas. Il n'y a pas Divo et Pessi. Le c'est un cabinet de coupe Divo. Divo c'est un cabinet de coupe, c'est l'administration. C'est le chef lieu du département. Là-bas, il y a tous la grande ville. Je peux continuer? Alors, on a un peu de problème là.